ça, c'est du stuff de rechange. Oh le con. Bon. Bah résultat. On va prendre des bâtons. On va se faire une petite pioche en... une petite pioche en pierre. Torgé. Je vais laisser ce qui n'est pas nécessaire. Résultat qui sera utile que pour le nether. Le quartz, on va le garder. Les fioles d'eau, on va les garder. La roche, on n'a pas besoin. La glowstone non plus. Et on est déjà full. Et on est déjà full. Jean-Pierre. Briquet, on va le garder. Un peu de bouffe, un arc, pas de flèche. Ok, allez, on va repartir pour un petit peu de minage opti. J'étais là-bas jusqu'à présent, il me semble. Ouais, pareil, charbon, c'est juste pour... Ce qu'il va me falloir, c'est du fer, absolument. Pour me refaire une pioche en fer, enfin des pioches en fer. Me refaire des bottes et les enchanter. J'ai quoi en bottes? Ah non, j'ai du protection en bottes. Ouais. Bon, à défaut d'avoir mieux pour le moment, on va garder ce stuff-là. Du gravier qui est au-dessus, hein. Faut que je me méfie. Voilà. Ça descend vite la bouffe hardcore. Allez. Objectif, trouver du fer. Les blocs, on va les mettre plus proches. Bon, bah pas grand chose d'intéressant. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter comme bêtise en attendant? Ouais, donc les objectifs, hein, c'était donc, et ben, ouais, c'est un peu con. Comment se trouver après, donc après avoir un stuff suffisamment enchanté, se trouver. Ok. Se trouver simplement, comment? Ah, je vais y arriver. Une forteresse. Et dès qu'on avait une forteresse, on allait chercher plusieurs choses. Premièrement, bah, des blazes pour faire des potions. Ça, c'est évident. Et aller farmer un petit peu de wither squelette. Je sais, bah, même en hardcore, j'ai envie de faire ça. Aller farmer du wither squelette pour avoir un beacon. Et le beacon, le mettre en haste 2 pour le minage optimisé, enfin ouais, pour le minage tout court. Faire un petit peu comme ce que fait Minecraft Zephyr dans le dans Holy Cube.
Commencer voilà à prendre un beacon et puis aller dans les profondeurs et puis creuser un max avec Ast 2, ça marche bien. Bon allez tant pis, hein. J'utilise un petit peu ma pioche en diamant, sinon on n'en sortira jamais. Objectif, trouver du fer, hein, de toute façon. Couche là on trouve de tout, même au risque de retrouver du diamant. J'aime bien au risque de retrouver du diamant. Comment pour se refaire une pioche. Sinon c'est con, hein, il y en a dans la faille, mais la faille voilà quoi. Pas envie de m'y refrotter. On peut éviter de... On va éviter de jouer les fifous. De toute façon, on va bien retomber sur la galerie que j'ai creusée. Je surveille quand même l'état de ma pioche, mais... Bon bah pas très intéressant, mais je vous ai dit je veux pas faire d'accéléré, donc bon bah on va se taper ça ensemble, hein. C'est pas trop grave. De toute façon je peux pas activer les cheats, hein, je crois, en mode hardcore. Parce que sinon je me mets un effet hast. Mais non. On va faire ça en légit quand même. Pas déconner non plus. Voilà. Donc on tourne un petit peu sur les bases hein, quand même hein, de ce que je faisais déjà avant, enfin lors de ma première série. C'est vraiment du gameplay pur. J'ai voulu recouper ça un petit peu avec les poupées dans l'enchanteur, vouloir mettre des accélérés sur les moments qui sont un petit peu chiants comme ça, mais bon. C'est tout, hein, c'est comme ça. Désolé, donc je voulais vraiment que le Nether soit épique, mais finalement on n'est pas tombé dans un endroit qui était si bien que ça. Donc résultat, ben on... Voilà. Bon, je sais que si j'ai besoin de redstone, je retournerai ici, hein. Pas de problème, je reparcourrai mes galeries. Donc sinon vous avez vu hein, la Bedrock avec Affinity HD, elle a une belle tronche je trouve. Mieux que le gris et je sais pas trop comment du Minecraft Vanilla. J'avais même plus à poser de torche en dessous d'un bloc comme ça. Et bien sûr, ça n'a pas découvert de fer toujours. C'est parce qu'ici il y a eu un...
je me disais zut, j'ai pas creusé de 1 d'épaisseur. C'est légèrement ça. Juste hop, remettre une ou deux torches par-ci par-là parce que. Ça, on va le creuser à la main parce que ça met pas plus de temps et puis ça n'utilisera pas mon diamant. Ah non, j'ai cru que le tuyau s'en était, mais non. Bon. Bah. Allez. Fait chier. Qui m'arrive dans le dos. Bon, je m'en doutais. C'était sûr ça. Suffisamment de fer pour se faire plein de choses, l'enclume, bon bah les bottes on s'en passera, mais il y a du lapis là bas ok. Lui, je veux pas savoir où il est. Hein. Enfin, si, ça m'arrangerait de savoir où il est, mais bon. Ah, il y a de l'or là. Ouais. puis j'ai pas mes seaux d'eau, bien sûr. En plus, je descends dans la faille, j'ai pas de seaux d'eau. Bon. Ça m'aurait arrangé. On va monter là-haut. Quelque chose. Ok, allez, on va monter par là. On a l'air d'arriver dans quelque chose. J'ai vu du fer là-bas. Je vais juste prendre de l'or. Torcher un peu ça. Ok, bon, et eh ben, bon, un peu d'exploration de failles, un peu d'exploration de galeries. Ouais. Ok. Je sais. Alors, on va pas se laisser entraîner par le courant, ça serait con. De toute façon, il y en a encore un peu ici. Un peu de charbon, même si ça va pas apporter grand chose. Nope. Bon. Allez, où est passée ma chance légendaire pour le charbon là? Pour le charbon, pour le diamant. Du fer là-bas.
Et ben on aura exploré un petit peu ici. Juste éclairer un peu cette zone pour éviter que ça spawn directement sur le. Voilà. Ça empêchera pas de spawner en haut, mais bon. Ok, on a des blocs, donc on va. Ici. Ok, ici en fait il n'y avait rien. Vois pas de. Oula! Oula! Peut-être se calmer là. Oh, s'il y a un archer qui me tire dessus, je suis mort. Je suis foutu. On compte encore sur la chance. Allez. Je le sens mal, cette histoire. Je la sens mal. Ok. J'ai le squelette qui s'est positionné juste au-dessus de moi. Ok, puis tout ça, ça m'amène vers rien du tout, rien du tout. On va essayer de monter un petit peu. Si ça a l'air un poil safe, je vais virer ce truc là parce que ça me stresse. Bon. On monte, mais on n'en trouve pas grand chose. Hein. Bon. Ici c'est déjà éclairé parce que j'y étais déjà passé. Comment ça? Niveau fer, je suis sûr qu'on doit être pas si mal que ça. 25 de fer, on a de quoi se refaire un nouveau stuff une fois fondu. Notamment, je sais plus combien il me faut pour l'enclume, il me faut. Ah, radin, même pas une enderperle. Bon. Je couche combien ici? 33, de toute façon je suis trop haut pour le diamant. On a refait le plein en fer, c'est ce qui importe. Pour se refaire des pioches. Ce sera la priorité.
pire, c'est que vous savez quoi? C'est que je n'ai même pas de quoi redescendre. Ça, on est bien d'accord. Je n'ai pas de pseudo, j'ai pas de... Ça va, YOLO. Enfin, si, je pourrais m'en faire un pseudo. J'ai de l'eau là, j'ai de la pierre pour me faire un four, et j'ai du fer sur moi. Donc, on va continuer un peu l'exploration. Ça peut être sympa, un petit peu d'exploration supplémentaire. On va torcher avant de tout récupérer. Ok. Petit bug de lumière, rien de grave. Toujours pas de flèche, hein, ça change pas. Bon. Éclaire un maximum histoire de voir du charbon, on en a en masse, hein. On n'a pas besoin d'autant de charbon. Bon, faut que je remplace le mot charbon par diamant. Diamant, diamant, diamant. Bon, bon, pas de bois, pas de quoi descendre. J'ai 41 de fer, ça fera l'affaire justement. Allez, on va récupérer quand même un peu de charbon. J'ai encore du fer. Je vais bien le creuser. Bien sûr, je creuse et je passe le bloc d'en dessous sans regarder si c'était un trou. Le truc qu'on fait habituellement en hardcore, quoi. Bon. Tu vois que c'est ma première série en hardcore. Hein. J'ai pas encore certains automatismes. Ouais, évidemment. En plus, là, j'ai avancé sans lumière. Hop. Déjà redescendre par là. Ok. Est-ce que je tente un saut de l'ange dans la flotte que j'ai en dessous? Ah la salope! Oh non! Oh mon Dieu, oh non! Normalement, je devrais retomber sur ma galerie en bas. Bah oui, c'est vrai que maintenant les... Elles peuvent spawner naturellement, elles. C'est le pire de tout, ça.
Allez, encore deux blocs, enfin quelques blocs, puis normalement je devrais tomber sur... Voilà, allez, hop. Allez, non, pas si bas. Encore un peu de fer. Allez. Parce qu'en plus je vais finir par faire spawner des mobs. C'est pas possible. Où est-ce que j'ai foutu mon ma sortie? C'est bon, c'est là. Ok, par là c'est... Bah ouais, d'accord, ok, bon j'arrive là. Allez, hop. Bon. Ouf. Oh, quelle saloperie ces sorcières. Ah d'accord, ok, ça a tout poussé, c'est nickel. On va pouvoir se refaire du papier. En soi, on va se faire un truc pour les livres, on verra plus tard. Ça, c'est du papier, ça. Ok. Donc on a dézoomé un peu. Je me dis qu'on irait voir un petit peu ce qui se passait aux côtés de la clairière à gauche là-bas, mais bon. Alors, résultat, on a des blocs, on a. Alors, de la pierre, voilà, en veux-tu, en voilà. Voilà. Du gravier, pareil. Hop, le fer, on va le faire cuire. Ça, on s'en fout. Les planches, la terre, c'est pareil, on va le mettre avec la pierre. Flint, le truc, le... Hop, ça. Hop, non. C'est ici la pierre du nether, je sais même plus comment on appelle ça, de la bloodstone, non, ouais, de la pierre de sang, voilà, la netherrack, ça y est, ça y me revient. Ouais, bon, allez.
T'en as combien là? T'en as 6. Allez, repasse-moi ça. Chose. Alors, allons-y. Hop. Hop. Deux pioches. Non, deux pioches. Alors, deux solutions. Minage opti ou nether.